Dépêche-toi, chérie. Nick, t'as fini de manger? Ouais. Très bien, et vite, on doit partir. Emma, 5 minutes. Emma, léger le maquillage. Avec la frimousse que tu as, c'est pas la peine de la cacher. Maman. Maman, maman, je t'en prie, arrête de dandiner comme chérie. Ça. Chérie, c'est pas parce que tu me trouves vieille que je suis vieille. En fait, je me sens très jeune. Oh, dedans. C'est trop puéril. À ton âge, on a des problèmes d'arthrose, on ne passe pas son temps à danser sur le buffet ou la table. Et puis, je trouve grotesque qu'une personne de ton âge se conduise comme une midinette. Nick, arrête-moi ça, tu m'énerves. Nicky, enfin, qu'est-ce que tu as? Je n'ai pas grandi d'un centimètre en 2 ans. Mon nom comporte plus de lettres que je n'ai de centimètres. Je vais t'appeler Tom Pouce, d'accord? Emma! Peut-être bien qu'il ne grandira pas d'un pouce, hein. Il faut pas se leurrer. Et débarrasse-toi vite de ce maquillage, tu en as trop. Je n'ai aucun avenir. J'ai étudié la guitare 5 ans, mais je fais même pas partie du groupe rock de l'école. Oh non, je donne pas une bonne image. Il se crée tout un tas de problèmes. C'est peut-être ma faute si mes glandes sont bouchées. Ah, génial, t'entends ça, maman? Ce que je veux dire, c'est que tu donnes une fausse image de toi. Quand il y a eu la pièce à l'école, le voyage de Gulliver, tu crois qu'il a voulu jouer à un des Lilliputiens? Ce qui, pour être franche, lui allait à la perfection. Non, penses-tu? Ce Minus a insisté pour jouer Gulliver le géant. C'est pas aller au-devant des problèmes, ça, peut-être. Et lui, au moins, il essaie. Non, ne me jette pas ce regard, Emma, tu sais parfaitement de quoi je parle. Tu as étudié le piano à l'âge de 5 ans, tes amis sont au courant? Non, je suis certaine que non, parce que le piano, c'est pas cool. Allez, c'est pour rire. De l'enfer. Et maintenant, nos derniers concurrents, je dirais concurrentes, venus tout droit de notre petite ville Santa Maria, les teints de paix, Annie Hackett, Etta Sloan et Connie Orsini. Alors, nous allons chanter. Je sais que tu as un mari, mais la chance viendra. Mama always had to go to beauty school. Ooh, ooh. Get an education and you're nobody's fool. Ooh, ooh. Little money in your pocket is self-explanatory.
Russian poem. Oh, yes. Self-esteem. I know you got a husband, but you can't trust luck. What if he gets hit by a semi-truck? Oh, yes. I don't know what I mean. Mama always had to go to beauty school. Ooh, get an education and you're nobody's fool. Johnny veut que nous interprétions une de nos chansons pendant l'entracte. Tu es certaine qu'il a bien dit au Timber Room samedi soir? Oui, j'en suis bien sûre. Tu peux passer la moutarde? Qui est Johnny? Quoi que Johnny? Johnny Lannon, vous ne vous souvenez pas de lui? Comment veux-tu qu'on s'en rappelle? Il était dans ta classe. Voyons, Connie, il était dans le groupe de l'école. Mais tu te rappelles bien ce type à moustache portant des chaînes dorées? Rappelle-toi, on n'arrêtait pas de se marrer. Tu t'en souviens pas? Non. Oh. Bref, son groupe a pris des arrangements, il va jouer pour les démocrates. Oh, qu'est-ce que le chef essaie de nous faire, nous empoisonner? Enlève-moi ça. Oh, il n'est pas venu ce matin, notre ami son fils à sa place. Oh non, pas celui qui crie sans arrêt. Oh, il est si bizarre. C'est pas l'idéal pour les affaires. Je pêche toujours pas. Si les cryogénies chantent samedi soir, alors pourquoi fait-on appel à nous? Je pense que les gens vont se marrer et vont nous virer de la scène. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent qu'on chante un vieux succès, pour que leur musique n'ait pas l'air si démodée. Moi, j'ai une meilleure idée. On pourrait chanter une de tes chansons, Adi. Non, oh, mais voyons, mais vous savez bien que j'écris ces chansons juste pour rester dans le coup. Oh, ça n'est qu'un passe-temps. Très bien, chérie. Un travail est un travail. On va s'en tenir à nos vieilles chansons. Sois gentille, passe-moi la crème. Ne lui donne pas la. Je t'ai dit pas de crème. Quand est-ce que tu vas m'écouter, Connie? Aujourd'hui, c'est la fête dans notre... Oh, bonjour, monsieur Scotty. Je suis en retard, excusez-moi. Je vais me dépêcher. Je vais vous voir plus tard, c'est promis. Alors faites des économies, profitez-en. Le rayon boucherie est ouvert jusqu'à 19h. Salut Ronnie. Bonjour Annie. Ça va les affaires? Pas mal. Mais qu'est-ce que tu vends? Des cartes postales d'occasion? Très amusant. Tu le sais peut-être pas, mais je m'occupe de disques ces temps-ci. Mm-hmm. Je trouve des gens de talent. Oh, tu sais, samedi soir, on va chanter avec ces mecs-là. Ah, bien, excuse-moi de rigoler, mais je t'en prie, n'associe jamais ton nom avec le leur. Vous n'avez pas le même langage. Ces gars-là, tu vois, ils vont un jour faire un malheur. Je vais à L.A. 2-3 fois par mois et je parie mon billet que bientôt ils vont grimper en flèche. Ça vaut mieux. T'as besoin de quelque chose? Non, je dois partir. Ne cherche pas à leur parler musique et ne dis pas que tu es une fille qui joue du chérie, piano. Tu es très jolie ce soir, mais tes vêtements sont maman, beaucoup trop gros pour maman, une jeune fille de ton âge. Et quand vous êtes avec eux sur nous, je suis toute excitée. Oui, t'entends maman, est-ce que tu m'écoutes? Chérie, tu te conduis comme si on était une bande de lépreuses. Il n'y a pas de quoi être embarrassée, je t'assure. Et n'ouvre pas trop grand la bouche, sinon avec les lumières, les dents font bizarre. Et ne claque pas des doigts. En bizarre, je t'en prie, tu me mets mal à l'aise. Allez, les filles, on se dépêche, je me dis que ça va se faire. Qu'est-ce qu'on attend? Oh mon Dieu. Salut Johnny. Tu vois, je te crains si t'es pas. On se retrouvera plus tard. Regarde. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Oh, salut Annie, tu vas bien? T'es très jolie. Ne respire pas. Il n'y a pas de poison. Non, recule-toi. Je vais regarder. À quoi ça va servir? Annie, c'est un micro. Qu'est-ce que tu veux? Je vais m'en servir pour enregistrer tes chansons. Alors. Merci! Merci mille fois! Oui, c'est ça. À tout à l'heure. Tu es à un concert ou un enterrement? Je plaisantais. Je suis sûr qu'on va s'amuser ce soir, car nous avons pour nous divertir un groupe qui mérite de sortir de l'anonymat, car ils ont du talent. Ils s'appellent les Cryogéniques. Et je vois, ils ont amené leur fan club avec eux. Vous savez, les Cryogéniques sont... Oh, vous les entendez? Quelle ambiance! Les Cryogéniques sont débutés au collège de Santa Maria. Et en parlant de talent de Santa Maria, nous allons faire un petit retour en arrière, dans les années 60, grâce à des amis à moi. Mesdames et messieurs, applaudissons bien fort les pains de paix. Venez les filles.
Salut, tout le monde va bien? Ce soir, nous avons pensé que vous aimeriez entendre autre chose que des vieux succès des années 60. C'est pourquoi nous chanterons une nouvelle chanson écrite par notre chère Annie Hackett. Ça s'appelle Your Mind Tonight. Oh! Oh! Allez, chez vous! Chantez, mais qu'est-ce qu'on ne va pas répéter? Mais vas-y, chante! Annie! Oh là là! Allez! Vous démarrez, après. Oh là 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 là! Un instant, on arrête tout. Salut. Salut. Jeff Robbins. Ravi de vous connaître. Alors, vous êtes Ron Dunlap. Dunlap. Ron Dunlap, ça fait 13 années 50, ça me plaît beaucoup ce nom-là. J'ai bien aimé la bande. C'est vrai? Oui, beaucoup, asseyez-vous. Oui, très bonne chanson. Peut-être l'autre chaise, vous croyez pas? Oh, oui, merci. Je savais que ça vous plairait. J'ai un œil très très sûr pour trouver des talents. Eh bien, dès que j'ai vu ces gosses dans leur cercueil, j'ai su tout de suite à qui j'avais super, affaire. Mais l'accompagnement, c'est nul. Ah. Mais elle a du peps. Et le titre est sympa. J'aimerais en entendre d'autres. Elle a peut-être une chanson pour Darcy. Darcy X. Quand puis-je la voir? Enfin, vous vous occupez d'elle ou non? Elle, oui, elle, bien sûr. Bien, alors on va prendre rendez-vous avec ma secrétaire. FedExez-moi ce qu'elle a fait d'autre avant que je ne la rencontre. FedExez, oui. Oui, oui, il va falloir une autorisation qu'elle signe ça avant qu'on puisse faire quoi que ce soit, vous voyez. D'accord. Alors vous m'envoyez ça très vite. Oui. Merci. Alors de quoi a-t-elle l'air? Oui. Darcy sur la 5, elle est folle de rage. Navré, mais il faut que je vous appelle. Ah, je comprends. Pas de problème, hein, pas de problème, je me charge de tout. Merci, merci beaucoup. Oh, monsieur Robbins, une petite seconde. Le groupe, là, vous savez, le groupe sur la bande, les cryogénics, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Oh, il y en a à l'appel, sans intérêt. Ah oui, exact, c'est vrai, merci. Je m'occupe de tout ça, merci.